Le visage d'Alexandre Ogilvie est loin d'être inconnu pour les aficionados de la couronne britannique. Le jeune homme de 26 ans aux cheveux blonds en bataille et au sourire ravageur a déjà été aperçu à de nombreuses reprises sur le balcon de Buckingham Palace, dans les mariages royaux ou encore dans les tribunes de Wimbledon. Et pour cause, le jeune aristocrate est le fils de James et Julia Ogilvie, petit-fils de la princesse Alexandra de Kent, la cousine germaine de la défunte reine Elisabeth II. Un jeune homme qui a déjà réalisé un joli parcours. Voyageur, Alexander Ogilvie a découvert la Bosnie ou encore la Corée du Nord et pris une année sabbatique en 2016 pour découvrir l'Australie. De retour au bercail, le petit cousin de Charles III est par la suite parti étudier l'informatique et l'économie sur les bancs de la prestigieuse université Brown dans le Rhode Island aux États-Unis. Bien dans sa tête mais aussi dans ses baskets, le jeune aristocrate, très sportif, y était le capitaine de l'équipe de rugby. Après avoir décroché son diplôme en 2020, Alexander Ogilvie vit désormais à New York, comme chef de produit dans une société de développement de logiciels baptisée Prove. Kate Middleton, Meghan Markle, Zara Tyndall, qui dans la famille royale britannique? Alexander Ogilvie ne serait pas célibataire pour répondre à la question qui brûle les lèvres, non, ce jeune homme doué et séduisant ne serait plus un cœur à prendre. Selon une indiscrétion du Daily Mail, reprise par le prestigieux Tatlé, le beau jeune homme serait en couple avec la hit girl londonienne, Isabella Charlotta Popius. Une très jolie jeune femme née à Helsinki, passée par l'université de Glasgow pour y étudier l'histoire de l'art, devenue un mannequin à succès très suivi pour ses looks sur Instagram. Nul ne sait encore comment les deux tourtereaux se sont rencontrés, sans doute dans une soirée huppée, un vernissage ou bien dans les coulisses d'un défilé. Une idylle qui aurait débuté l'été dernier, qui se vit pour l'heure à distance puisqu'Isabella est basée à Londres et son chéri à New York. Une jolie romance qui pourrait bien conduire à un mariage grandiose. Crédit photo, Nick Harvey/SIPA.